Allez, la sortie des deux formations sur la pelouse du stade Amadou Koulibaly Congo pour ce match du groupe E entre le Mali et l'Afrique du Sud. Match important pour les deux formations, on le disait, concentration à côté malien. On veut bien rentrer dans cette compétition, vu tout à l'heure la grosse surprise, mon cher Patrick, qui te voulu souligner tout à l'heure, la surprise de la Namibie face à la Tunisie qui s'est imposée, la Namibie qui a donc pris les trois points d'entrée face à la grosse équipe tunisienne. Et ça donne des idées côté sud-africain, pourquoi pas aussi de bien rentrer dans cette compétition. Bon, c'est vrai que sur le plateau, eh bien, les favoris ont été choisis, c'est le Mali. Je pense que ce sont deux équipes qui ont des valeurs égales en termes donc de maîtrise collective. Et il va falloir le démontrer tout simplement sur le plateau. Alors, on va suivre les hymnes nationaux, commençant par l'hymne national du Mali. Pour l'Afrique et pour toi, Mali. De l'Afrique du Sud, les supporters des Bafana Bafana sont également présents ici à Kourougo pour pousser leur formation à la victoire, pourquoi pas. Et voici le corps arbitral pour diriger cette rencontre. L'arbitre de la partie, c'est l'Égyptien Mohamed Adel Hussein. On va suivre les compos, mon cher Patrick Guité. Avec le Mali qui évolue en 4-3-3 ce soir. Oui, en 4-3-3, c'est la
dispositions tactiques choisies par Eric Schell avec les buts l'inusable Djigui Diarra qui sera épaulé en défense par Falaï Sakho, Sikou Niakate, Boubacar Kouyaté et le capitaine Amari Traoré au milieu de terrain avec trois hommes, Aliou Dieng, Amadou Aïdara et puis Kamourou Doumbia. Et Yves Bissouma et bien va soutenir l'attaque composée de Sikou Kouyaté et la Siné Sané. En tout cas, match important pour les Aigles du Mali face au Bafana Bafana. Cet homme également est attendu. Yves Bissouma, le joueur de Tottenham du côté de l'Angleterre en première ligue. Ça va être un énorme match pour les Maliens avec une forte colonie ici au stade Amadou Koulibaly. On parlait tout à l'heure du corps arbitral. Mohamed Adel El Saïd Hossein, l'Égyptien, qui sera assisté par ses compatriotes Mahmoud Abouelg Amouré Régal, Ahmed Taha Ibrahim. On ira comme quatrième officiel Amine Omar et au commissaire Sylvestre Tantoussan. On va découvrir le 11 entrant côté sud-africain. On va évoluer en 4-4-2 face aux Aigles. Alors c'est une équipe qui est différente, un tout petit peu différente de celle qui a affronté les éléphants de Côte d'Ivoire en match amical. C'était en octobre 2023 avec dans les buts Eden en défense plus au Moudao qui avait donné du fil à retordre à Wilfried Zaha, notamment Zulu Sianda, Motobi Mvala, Aubrey Moutiba en défense et devant cette défense à Tebo Moutiba et Sitole Sfefelo. Et puis on a dans le milieu de terrain eh bien, Percy Tao et Tapelo Maseko, Evidence Makoupa et Demba Zouali en attaque. Et les Aigles du Mali qui donnent le coup d'envoi de ce match de la première journée dans le groupe E face au Bafana Bafana de l'Afrique du Sud. Match important hein, pour les deux formations. Il faudra s'imposer pour bien rentrer dans cette campagne. Et premier long ballon dans la surface de réparation, heureusement pour la défense sud-africaine. Alors,